Depuis plus de 40 ans, Guy de Saint-Cyr arpente les volcans du monde. Il y emmène des néophytes au plus près de l'activité volcanique. Ils se sont installés sur les crêtes abruptes du Nyiragongo, le plus grand lac de lave de la planète. Leur destination est la République démocratique du Congo, dans la partie centrale du Grand Rift africain, cette faille gigantesque qui déchire la croûte terrestre. Ici, la chaîne volcanique des Virunga, qui s'étend sur 100 km, est composée de 8 très imposants volcans, dont le plus actif est le Nyiragongo. Il se dresse à 3500 mètres d'altitude, à 18 km à peine de la ville de Goma. Les 400 000 habitants de la ville de Goma vivent au pied de cet énorme volcan qui occupe 350 km². En plus d'une situation géopolitique difficile, Goma est sans cesse exposée à de très hauts risques, la vidange de l'énorme lac de lave du Nyiragongo. Cela s'est déjà produit en 1977 et en 2002, occasionnant de nombreuses victimes. La végétation commence à recouvrir les coulées de 2002 déjà. Celle-ci, c'est 77 ou 2002? Non, 2002. 2002 aussi. Ça y est, on est au pied là de ce fameux Nyiragongo, le volcan mythique de tous les volcanologues de la planète. C'est vraiment un grand moment parce que des lacs de lave comme ça, il y en a un seul. C'est pas une balade, ça c'est vraiment une expédition. Donc qui dit expédition dit risque. Et je suis conscient que chaque fois qu'on descend, qu'on s'approche du Nyiragongo, qu'on s'approche du lac de lave, il y a un risque. Les gens que j'emmène en sont conscients, je leur ai expliqué. Mais néanmoins, j'espère que j'aurai le sourire en rentrant. Mais je l'ai rarement en partant. Parce que sur un volcan, on essaye de prendre un maximum de précautions, mais on contrôle pas grand-chose, en fait. Personne double, on monte tous à la même vitesse, on reste toujours ensemble. Il y a des gaz inodores, c'est du dioxyde de carbone, c'est un gaz très dangereux, mortel. Donc méfiez-vous, attention, n'allez pas mettre votre nez sur des petites failles, sur des fissures, n'allez pas vous abriter de la pluie, par exemple, sous un auvent, ça c'est interdit ici. Vraiment faites attention, c'est un danger qui est réel. D'accord. Okay. Bon, bah écoutez, si vous êtes d'accord, on y va. Ok, Christian? Okay. Allez. Ces sorties de gaz mortels, présentes partout autour du volcan, y compris à Goma, se nomment ici Mazuku, le souffle du diable en quelque sorte. Le volcan est à 3500 mètres d'altitude, ses pentes sont très raides et l'ascension assez difficile. Ici, c'est la zone la plus surveillée du Nyiragongo. Pourquoi? Parce qu'on est à l'altitude de 2761 mètres. C'est-à-dire que 40 mètres au-dessus, c'est-à-dire au niveau des fumées, à peu près des premières fumées ici, eh bien, c'est le niveau de la lave dans le cratère. Imaginez que la lave actuellement dans le cratère, elle est à ce niveau-là. Si on creusait un tunnel ici, on arriverait au niveau du lac de lave. C'est ici qu'a démarré cette grande faille de 15 km qui est arrivée jusqu'à Goma. Tout le long de cette faille, eh bien, il y a eu de la lave qui est sortie, il y a eu des fontaines de lave. Ici, il y avait des fontaines de lave qui montaient à 200, 300 mètres de haut. Regardez dans les arbres, regardez, il y a encore des lambeaux de lave qui sont restés coincés sur les branches. Il y en a derrière moi, il y en a devant, il y en a de partout. On estime à combien ce volume de lave? 100 millions de mètres cubes. Ça a dépassé 100 millions de mètres cubes. Les collines entières furent pulvérisées par ces failles. La propagation en quelques heures des systèmes de fractures aussi importants était un phénomène jamais observé auparavant. Le Nyiragongo, très imposant, semblait d'humeur égale jusque-là, mais il a surpris tout le monde.
Ça fait 6 heures. 6 heures d'ascension ? Ouais. Ça va être beau alors. Ça va être 6 heures, mais voilà les récompenses. Ouais. 3, 2, 1. Regardez. Attention, hein. Le plus beau spectacle de la planète. Il est là. Embrasse-moi. Quel du bonheur. C'est un volcan tel qu'on se l'imagine. Voilà. Hein. Ça, c'est un vrai, ça. Ça, c'est un vrai volcan, ça. Ça, c'est un volcan. Rendez-vous compte, là, on est en face du plus grand lac de lave de la planète. Et on le surplombe de combien, là ? À peu près de 600 mètres. 600 mètres. Je me rends compte, de là, c'est hyper impressionnant, donc un peu plus bas, ça doit être la folie. Ah, ouais, ouais, ouais. Et toute la fumée qu'on voit, là, c'est la vapeur d'eau ? Il y a la vapeur d'eau et il y a d'autres gaz aussi. Hein. Ça nous réchauffe. Dioxyde de carbone, hydrogène sulfuré, dioxyde de soufre. Il est vivant, ça. Il est hyper impressionnant. Et par rapport aux volcans, d'autres volcans du monde, la taille du cratère est comment ? Par rapport au lac de lave, par exemple, ouais. de Hawaï, actuellement, le lac de lave de Hawaï, c'est même pas le quart de ça. Nicolas, t'as un petit sourire, là. Dis-moi ce que tu penses. Là. Rien, regarde. Je m'émerveille. Je m'émerveille. Regarde la fontaine. Regarde la fontaine qui démarre. C'est vraiment l'enfer. Sur les 600 volcans actifs émergés de la planète, on ne compte que 4 lacs de lave permanents. La première expédition, c'est Taziev, c'était en 1958. En 1958, et il est venu très très souvent. Taziev est le seul à avoir organisé des expéditions qui sont descendues jusqu'en bordure du lac de lave. C'était des expéditions de grande envergure, avec du matériel lourd, ils avaient des treuils. Ils ont fait des séjours de plusieurs semaines ici. C'est Taziev qui nous l'a fait connaître, ce volcan. Personne n'en avait entendu parler avant lui. Moi, j'étais comme tout le monde, j'ai découvert le Nyiragongo à travers les films de Taziev. Le Nyiragongo n'a pas toujours été un volcan avec un lac de lave. C'est un stratovolcan. Donc au départ, lors de sa naissance, c'était un volcan explosif qui s'est construit avec des explosions qui ont projeté du matériel explosif, c'est-à-dire des bombes, des cendres, des coulées de lave. Et ça, c'était au début de sa formation, c'est-à-dire au moment de l'ouverture du rift. Ce qui lui donne cette allure de conique. Voilà, de cône d'un volcan classique. On est incapable de dire encore combien de temps va durer ce lac de lave. Ça, la volcanologie, c'est une science nouvelle. Et malheureusement, il y a encore plein de questions auxquelles on ne sait pas répondre. On sait qu'il existe au moins depuis 1927. Probablement beaucoup plus vieux que ça. Mais il n'y a aucune certitude puisque personne n'avait découvert encore ce lac de lave. Alors il y a certains récits qui font état de lueurs rouges joyantes au sommet de l'extrémité ouest de la chaîne des Virunga, mais sans le citer. C'est un lac de lave qui a peut-être un siècle, peut-être deux siècles, c'est possible. À 10 mètres ou 5 mètres, à peu près au-dessus de ce niveau du lac, il y a une espèce de petite plage. Il y a une petite plage noire, et de temps en temps, le lac, il monte. Il monte et il déborde, il s'étale sur cette plage.
La dernière fois que je suis venu, c'est ce qui se passait. Il avait des variations de niveau de 30 à 40 mètres. Donc demain, on peut avoir une montée de lac du lac de lave. Mais oui, c'est tout à fait. Possible. Mais bon, s'il y avait une montée du lac de lave, il y aurait probablement une crise sismique. Parce que dès que le lac de lave qui précède et qui accompagne surtout, dès que le lac de lave commence à monter, eh bien toutes les parois du cratère vibrent. On peut dormir sur nos deux oreilles ce soir. Le risque est toujours là. Ah, il faut le savoir. Okay. D'accord. Okay. J'ai l'impression d'être tout petit parce que le volcan est titanesque, énorme. Vous voyez là par exemple, on peut rester scotché des heures. Sans rien dire. Juste en écoutant le bruit. Et là, d'y être, c'est un moment rare et exceptionnel. Envisage une descente en rappel, 300 mètres plus bas environ, à mi-chemin entre le lac et les crêtes. Mais les conditions ne sont pas bonnes. Trop de gaz, trop de fumée et des parois très instables. Il faut surtout faire attention aux blocs que la corde peut déranger. Donc là, il faudra être vraiment très vigilant, surtout qu'on ne voit pas grand-chose. Si jamais il y a des blocs qui descendent, là-dedans, on ne voit rien. Bon, on va mettre les masques, tout de suite parce que je pense qu'on va avoir du gaz tout le long de la descente. Là. Ouais, vaut mieux. Donc, vaut mieux les mettre maintenant. Romain, kinésithérapeute dans la vie, a une qualification en escalade. Guy décide d'aller repérer le terrain avec lui. Ils sont partis, Romain et Guy, ce matin. Il y a une heure, ils sont ouais. Il était quelle heure? 7h30. Il faut compter 2-3 heures. On voit rien, il y a du gaz. Merci. Le Niragongo est étudié depuis une cinquantaine d'années. Il fut observé pour la première fois en 1935 par un missionnaire protestant. Certaine puissance qui émane des lacs de lave en particulier, qui n'est pas du tout, par exemple, quand on voit une éruption en face de nous, une fontaine de lave, c'est plutôt une espèce d'euphorie comme ça, qui est éphémère en fait. Mais là, c'est vrai que c'est quelque chose de stable, de puissant. Se fait dans des conditions difficiles. Guy ne pourra pas descendre avec le groupe comme il le souhaitait. Alors, personne n'est bête là, n'est-ce pas? Il y a des cailloux qui tombent. Ouais. Ouais, beaucoup de cailloux qui tombent. Ouais. Et on peut pas mettre 6 personnes là-dessus. Ouais, mais là, de toute façon, avec brouillard, ça vaut même pas le coup, quoi. Malheureusement.
Là, c'est pas à droite. On le voit là? Oui. Ouais. C'est bien bouché quand même. Ouais. C'est pas terrible. Là, on voit une première terrasse en dessous de nous. Elle est située à peu près combien? À peu près entre 250 et 300 mètres. 250 et 300 mètres. Et le lac, lui, est à 600 mètres. 600 mètres. C'est une colonne magmatique à ciel ouvert et qui part d'un réservoir magmatique. Ici, le réservoir, il est à 15 km de profondeur. Donc on peut imaginer que tu as un cube comme ça qui descend sur 15 km. Avant l'éruption de 1977, Haroun Taziev lui-même considérait le Nyiragongo comme peu menaçant. Aujourd'hui, il est au sommet de la liste des volcans dangereux. Il y a eu la grosse éruption de 1977. Où le lac de lave s'est vidangé. Et à ce moment-là, le lac de lave était à peu près au niveau de la première terrasse. Là. C'est-à-dire lorsque le lac de lave atteint un volume et un poids que les parois du cratère ne peuvent plus supporter, eh bien les parois s'ouvrent, s'écartent, se fendillent, se fracturent et le magma sort. Donc il suffit d'un mouvement, un petit mouvement tectonique. Et puis ça le magma, il bouge à l'intérieur. Et les parois, il faut qu'elles tiennent. Et à un moment, elles ne tiennent plus. Le volume du lac de lave, à cette époque, était à peu près de 22 millions de mètres cubes. Et ces 22 millions de mètres cubes sont partis, se sont vidangés en moins d'une heure. T'imagines, en moins d'une heure, 22 millions de mètres cubes. Et il y a eu des coulées qui sont arrivées sur Goma à 70 km/h. Entre 2 et 3 000 morts sur Goma. Il y a un poste d'observation ici. Oui, mais si tu, à cette époque-là, l'observatoire, c'était un équipement vraiment ridicule. Il y avait vraiment très peu. Quoi. Il y a eu des méthodes mises en place. Ça a commencé à partir de cette éruption, mais il a vraiment été équipé, l'observatoire, à partir de 2002, suite à la grosse éruption de 2002. J'ai vu souvent des variations de niveau. Tu la vois d'un seul coup, tu la vois monter. Ensuite, elle s'étale sur la zone noire. Elle reste comme ça pendant une heure, deux heures, puis tout se renfonce dans le... Quand ça monte de 300 mètres, comme ça monte d'un coup de 300 mètres, ou ça monte... Non, ça peut monter. Ça peut monter très doucement, ça peut monter très rapidement. Ça, tu peux pas le prévoir. Normalement, nous, au sommet, on craint rien, en fait. Si à chaque fois, il est vidangé... Non, même quand il y a eu la grosse éruption, c'est en dessous, c'était vers 2700, 3000. Donc s'il y a une d'altitude, éruption... nous, on est à 3460. S'il y a une éruption, vaut mieux rester là, quoi. Ouais. On craint rien, ici. Non. On est spectateurs. Mais après, il faut quand même rentrer. Oui. Après, t'es obligé d'arriver quand même dans la zone. On risque de se prendre des fontaines, des bombes. Voilà, ouais, des fontaines. Ah, c'est un peu malsain, toute cette zone-là. Hein. Passer de l'autre côté de la faille, là. Je préfère. Tenez, regardez, arrêtez-vous une minute, là. On est pratiquement à l'aplomb de la ligne de fracture de 1977, où le lac de lave s'est vidangé. Cette même ligne de fracture qui a été réactivée en 2002. Et il est possible que la prochaine éruption emprunte encore cette ligne de faille. Si elle n'est pas suffisamment colmatée, eh bien la lave peut partir encore ici. Auquel cas, on risque d'assister à une multitude de petites éruptions avec des coulées très très rapides qui arrivent sur Goma. Ou alors, si elle est vraiment soudée, solide, eh bien il faudra peut-être attendre que le niveau de la lave remonte à l'intérieur du cratère jusqu'à 200-250 mètres sous les crêtes. C'est le poids et le volume que ce grand cratère semble capable de supporter jusqu'à ce que la pression hydrostatique du magma fracture à nouveau le bâti du volcan, c'est-à-dire le bâti du cratère, et ouvre à nouveau de nouvelles failles.
Et à ce moment-là, ça sera une vidange encore du lac de lave et on risque encore d'assister à une éruption dramatique comme ces deux dernières éruptions où il y a eu beaucoup de victimes. Le Nyiragongo est situé sur une ligne de faille due à l'écartement de deux plaques tectoniques. Le volcanisme continental, il est directement dû à l'ouverture de la faille, une montée magmatique due à l'ouverture de la faille provoquée par l'écartement des deux plaques tectoniques. C'est-à-dire au fur et à mesure que les plaques s'écartent, il y a une faille qui s'ouvre et le long de cette faille, le magma monte et forme des volcans. Il y a eu des éruptions très importantes ici, dans ces 40 000 dernières années. Mais ces éruptions vont se poursuivre encore. Il y aura des éruptions probablement à l'échelle planétaire qui vont se passer encore ici. La question pour les scientifiques n'est pas de savoir si un cataclysme éruptif se produira, mais plutôt quand il se produira. Prévenir les éruptions est une gageure, car le lac se vidange très rapidement. Entre 1977 et 2002, à 25 ans d'intervalle, le même scénario catastrophe s'est produit. Il est envisagé que les populations partent à l'ouest de Goma, à une distance suffisante de l'immense plaine volcanique du Nyiragongo. Vous savez ce que ça veut dire, Nyiragongo ? Non. L'endroit du feu rougeoyant. Parce que dans un périmètre à peu près de 50-60 km, tout autour du Nyiragongo, tout est rouge pour moi. Quand je suis descendu installer la corde jusqu'à la première terrasse, j'avais le même temps que ça, c'est-à-dire que je voyais rien. J'entendais le volcan, j'entendais battre son corps. Et bon, pour moi, il y avait quelque chose d'extraordinaire. Je voyais rien, mais quelque part, il y avait une harmonie, il y avait une symbiose avec le volcan. J'étais bien. Et en fait, je crois que peu de gens le comprennent, ça. Et j'ai toujours l'impression d'être un petit peu idiot quand je dis ça, parce que les gens disent, bon, il parle avec un volcan, attends. Le vieux, il déconne un peu, là. Théâtre en fait, une sorte de théâtre antique là avec des gradins, avec la scène qui se passe dans le fond. J'en avais déjà entendu parler. Je vais même vous faire une confidence, c'était peut-être sur la liste de mes choses à faire avant de mourir. Vous savez, quand on a 15 ans, on marque une dizaine de choses à faire avant de mourir. Je voulais faire à l'époque des trucs dangereux. Et puis voilà, ça se réalise et c'est. C'est à l'intérieur, ça change pas grand-chose, mais c'est... Si je retrouve ma liste, je pourrais barrer un truc. Ils se souviendront d'un immense cratère, volcan roi parmi les volcans, qui les a acceptés sur ses crêtes, en douceur. C'est ça aussi qui est impressionnant quand on vient, là. C'est le bruit qu'il fait. On a l'impression que ça tonne. Ouais. Mais dans la nuit, je sais pas si vous avez entendu, mais il y a des moments où il y a eu presque des explosions, quoi, une activité très très forte. Je sais pas si c'est la lumière. Non, mais c'est pas des flammes. Ah, il y a des flammes. Flammes. Si, par moment, il y a des flammes. Ouais, il y a des gaz qui bougent. Ouais. Avec le. Oh, voilà, c'est bon.